Avant même de commencer cette vidéo, je voudrais remercier Julie, avec qui je collabore sur cette vidéo. Surtout, si vous avez besoin d'un script, d'un texte, d'un article, n'importe quoi que ce soit par écrit, n'hésitez pas à la contacter. Vous avez toutes les infos qui concernent Julie dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas. Ah, la Mega Drive. Pour beaucoup, la simple évocation de ce nom ravive des souvenirs d'enfance ou d'adolescence pour les plus vieux d'entre nous. Comme vous le savez, c'est le digne successeur de la Master System. Elle a fait son apparition au Japon en 1988, puis aux États-Unis en 1989 sous le nom de Sega Genesis, et enfin en 1990 dans le reste du monde. Avec son impressionnante ludothèque de près d'un million de jeux, la Mega Drive de Sega s'impose aux États-Unis et en Europe, où elle détrône l'éternel concurrent Nintendo. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la très belle histoire de cette console de 4ème génération, la 3ème qu'a construite Sega et qui a marqué toute une génération de joueurs et de joueuses dont les yeux brillent encore devant le fameux logo Sega. Sega ! L'histoire du développement de la Mega Drive et de son constructeur. À la fin des années 80, époque durant laquelle la Mega Drive sort, Sega est connu pour développer et éditer des jeux vidéo, mais aussi pour son activité de constructeur de consoles. C'est en 83 que Sega se lance dans cette nouvelle branche avec la sortie de sa première machine, la SG-1000. Détail historique qui s'avérera ô combien révélateur par la suite, la SG-1000 est mise en vente le même jour que la Famicom de Nintendo, que l'on connaît en Europe sous le sigle NES, pour Nintendo Entertainment System. En 1986, Sega est très satisfait de ses ventes au Japon et il décide d'installer une succursale aux États-Unis dans le but de dominer le marché de l'Ouest puisque c'est un terrain qui reste relativement vierge en termes de consoles de salon. Sega Japon ouvre donc Sega of America dans le but d'inonder le nouveau monde de consoles et de jeux Sega. Pour se faire une place au soleil, l'entreprise s'appuie sur l'une de ses consoles déjà sorties au Japon, la Sega Mark III, pour confectionner la Master System, plus adaptée à un public international. D'ailleurs, la Master System est distribuée en priorité aux États-Unis et sur le vieux continent, avant de débarquer sur le sol nippon à la fin de l'année 87. La console remporte un fort succès en Europe, mais les ventes restent décevantes en Amérique du Nord. Le marché est bien occupé par Nintendo et sa NES. Sega commence alors à s'interroger sur la stratégie à mettre en place pour devancer son éternel concurrent. C'est à ce moment précis que Sega commence à travailler sur un nouveau projet de console de 4ème génération, la fameuse Mega Drive. L'équipe chargée de la création de la console est dirigée par Masami Ishikawa. Leur cahier des charges est simple. Il faut créer une machine 16 bits aux performances élevées avec un design cool. La future Mega Drive est révélée sous forme de projet dans le magazine Nippon Beep en juin 1988. Les lecteurs de ce magazine de jeux vidéo japonais découvrent la future plateforme 16 bits sous le nom de code MK1601. La naissance de Sonic. Sega, bien décidé à grignoter des parts de marché sur les territoires américains et européens, sort sa Mega Drive au Japon le 29 octobre 1988. Il s'agit sans doute d'un test pour tâter le marché et voir comment les ventes de la nouvelle console se déroulent. Faut dire que Sega a de quoi se sentir fébrile. Au pays du soleil levant, Nintendo détient 92% des parts de marché. La communication faite en amont et au moment de la sortie est bonne. Les avis positifs dans les magazines spécialisés tels que Famitsu et Beep aident la console à décoller. Mais c'était sans compter la sortie 3 semaines plus tôt de Super Mario Bros 3. On le sait maintenant, Super Mario Bros 3 est l'un des jeux vidéo les plus vendus au monde avec pas moins de 18 millions de copies écoulées. Mais avant de devenir une franchise au succès planétaire, il faut se pencher sur les origines. C'est bien le personnage de Mario et dans une moindre mesure son frère Luigi ainsi que les autres personnages de l'univers qui ont fait le succès de la saga. Mario, jeune plombier italien débonnaire, attire irrémédiablement la sympathie. Du côté de chez Sega, il manque une mascotte. L'équivalent d'un Mario, une égérie reconnaissable immédiatement par tous. Sega avait bien tenté de faire d'Alex Kidd leur icône, mais comme vous le savez, il est bien moins connu que le moustachu plombier de la Nintendo. Malgré l'excellent Alex Kidd in the Miracle World, qui s'est d'ailleurs très très bien vendu.
Il est donc décidé de travailler sur un héros estampillé Sega qui donnerait naissance à une licence emblématique. Vous l'avez compris, on assiste ici à la genèse de Sonic the Hedgehog. Sega cherche pour le marché occidental un personnage fun et nerveux en opposition à Mario qui est plutôt gentil et tranquille. Notre hérisson bleu doit être dynamique et doit faire passer Mario pour un ringard qui n'a qu'une idée, sauver la princesse Peach. Le storytelling autour de Sonic est résolument moderne. Sonic doit sauver le monde d'un antagoniste qui enlève des animaux pour les transformer en robots. Une tâche de prime abord plus noble qu'un Mario, courant derrière une princesse, un poil godiche incapable de se débrouiller seul. Le gameplay de Sonic reflète bien cette modernité. L'opus reste un jeu de plateforme avec des power-ups classiques mais à vitesse grand V. Les anneaux servent à protéger Sonic s'il est touché. Il peut aussi attraper des bonus de vitesse et des bonus d'invincibilité. Il peut également vaincre ses ennemis s'il les touche quand il est en boule et il est capable de faire des figures acrobatiques s'il accélère suffisamment. Le gameplay est basé sur la vitesse et la réactivité, mais il innove aussi par un aspect exclusif, la verticalité. Si Mario se déplace de gauche à droite la plupart du temps, Sonic explore des niveaux de façon similaire, mais le level design audacieux lui donne aussi accès à des parties hautes et basses dans chaque niveau, sans interruption, contrairement à Mario qui descend ou monte via des lianes et des tuyaux. Ce gameplay, sans temps de chargement, renforce grandement l'immersion. Un peu à la façon d'un open world face à une map linéaire qui guiderait trop le joueur façon couloir. La dernière différence majeure, c'est l'apparition des checkpoints. Si le joueur perd une vie, il ne recommence pas au début du niveau, mais reprend au dernier checkpoint, qui fait figure de point de sauvegarde temporaire. Avec ses éléments de game design en tête, sa mascotte rigolote qui tape du pied nerveusement comme si elle s'embêtait au bout de quelques secondes d'inactivité et ses mondes à l'ambiance unique, Sonic va mener Sega et sa Mega Drive tout droit dans la cour des grands. Mais pour que je puisse vous raconter ce succès, revenons donc au jour de la sortie de la console. Le lancement et la vie de la Mega Drive. Aux États-Unis, le lancement de la console a lieu dans seulement deux villes. Le 14 août 1989, c'est une technique de vente assez banale à l'époque. D'ailleurs, Atari utilisera le même processus pour la sortie de sa Jaguar. C'est donc à New York et à Los Angeles que le public américain découvre la Sega Genesis. Un petit mois plus tard, le 15 septembre, la plateforme de jeu est disponible sur les territoires entiers pour un prix de 190$. La console sort sous forme de pack avec une manette et le jeu Altered Beast. La promotion de la console aux États-Unis est assez agressive. Sur les publicités, on peut lire « Genesis does what Nintendo don't ». Grossièrement traduit, ça donne « La Genesis fait ce que Nintendo ne fait pas ». Avec, en plus, un jeu de mots sur le « do » et le « don't ».« Do and don't » accolé à la marque Nintendo. Sega cherche à se différencier de son éternel concurrent en tentant de l'écraser et de le faire passer pour archaïque. Cette campagne promotionnelle est révélatrice de l'état d'esprit de l'industrie vidéoludique de l'époque qui va mener droit vers ce que l'on appelle communément la guerre des consoles. En Europe, la Mega Drive débarque le 30 novembre 90, soit près d'un an plus tard tout de même, mais à temps pour les fêtes de fin d'année. Même s'ils ont dû patienter pour mettre la main sur la console, les joueurs européens bénéficient d'une line-up, qui n'en est donc pas vraiment une, étoffée. Surfant sur la popularité de la Master System, sa successeur devient vite la console de salon chouchou sur le vieux continent. Aux USA, l'année 91 signe une nouvelle façon de vendre la Mega Drive. Sega décide de baisser le prix de sa console, mais surtout de changer le jeu contenu dans le pack. À la place d'Altered Beast, ce sera désormais avec Sonic que les joueurs découvriront la console. Et là, comme on peut s'y attendre, c'est le jackpot. La plupart des Américains qui attendaient la Super Nintendo repartent avec une Sega Mega Drive sous le bras, le pari est gagné. Durant les fêtes de fin d'année 91, c'est bien Sega qui domine le marché avec 65% des parts. Pour la première fois, le roi Big N est détrôné. Ça n'était pas arrivé depuis 1985. Comparé au mastodonte que représente Nintendo, Sega est une entreprise fraîchement débarquée et relativement petite. Ainsi, passer devant Nintendo était quasiment inespéré et relève presque du miracle. Vous ne le réalisez peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque,
ça a été un sacré coup de tonnerre. Mais ce n'est que le début de la formidable ascension de Sega en Amérique du Nord. Le constructeur a réussi à dépasser Nintendo durant les 4 périodes de Noël suivantes. Ce succès s'explique par le retard à l'allumage de Nintendo et de sa Super NES, et de la ludothèque immense de la Mega Drive, mais aussi pour un prix inférieur. Sega poursuit sa démarche de positionner sa console comme étant la plus cool, celle la plus adaptée aux hardcore gamers. Une étude émanant de chez Sony révèle que l'image de la marque Mega Drive est incroyable. Les adolescents auraient du mal à confesser qu'ils possèdent une Super Nintendo, alors qu'ils se vantent facilement d'avoir une Mega Drive chez eux. Aujourd'hui, cette anecdote n'est pas vraiment sans rappeler la guéguerre qui existe entre les pro PlayStation et les pro Xbox. Chacun prêchant pour sa paroisse tout en critiquant l'autre. Il existe donc une identité réelle derrière chaque machine. La SNES passe pour une console de joueurs casu quand la Mega Drive rassemble sous son étendard des vrais gamers. Il faudra attendre 1995 pour que Nintendo reprenne son avance historique sur Sega grâce à un jeu que vous connaissez tous qui est Donkey Kong. Et ce, durant 2 ans. Et malgré l'arrivée de ce singe géant, la Mega Drive reste malgré tout la console la plus vendue aux États-Unis. Les anecdotes de la console chérie de la génération 16 bits. Tous les constructeurs travaillent déjà à leur prochain hardware, bien décidés à l'emporter contre la concurrence. Mais Sega ne veut pas pour autant abandonner sa Mega Drive chérie. Cette tendance s'illustre dès 91 quand sort le Mega CD au Japon. Sega a bien compris l'importance du CD-ROM et il n'a pas l'intention de se laisser dépasser technologiquement par Nintendo tout en concurrençant la PC Engine. Mais c'est fin 94 que Sega va royalement se planter avec l'un de ses accessoires phares. J'ai nommé le 32X. Cette extension 32 bits, comme son nom l'indique, est supposée propulser la Mega Drive dans l'ère 32 bits, alors que la Sega Saturn et la PlayStation première du nom de Sony s'annoncent. Sans grande surprise, c'est un échec commercial. Les joueurs ne comprennent pas forcément ce que c'est, un peu comme la Wii U qui a été annoncée par Nintendo quelques décennies plus tard, et les professionnels de l'industrie sont déjà à fond sur la génération qui arrive, qui s'annonce en fanfare. Les développeurs montrent un désintérêt total pour le 32X. Pourtant, l'idée n'était pas mauvaise. Souvent, 2 générations de consoles se chevauchent durant le lancement d'une nouvelle console. Et les 2 machines cohabitent bien. C'est l'occasion pour le constructeur de continuer à faire des bénéfices sur la console sortante, qui est parfois, voire vendue à perte à ses débuts, le temps que le prix des composants baisse et de créer un nouveau parc de consoles de dernière génération. Malgré la sortie de la PlayStation et de la Saturn, sa petite sœur, la Mega Drive continue de remporter tous les suffrages. Comme quoi la puissance n'est pas mère de toute vertu. Ce phénomène s'explique par la grande popularité de la Mega Drive, mais aussi par le fait qu'investir dans une nouvelle console peut sembler cher pour les parents, qui sont les principaux acheteurs des machines pour leurs enfants. Il est plus économique d'offrir plusieurs jeux ancienne génération sur une console déjà possédée, que d'acheter une nouvelle console et un seul jeu qui coûtera au final plus cher, puisqu'il est plus récent. Étrangement, Sega ne semble pas réellement conscient de la popularité de sa Mega Drive, qui l'a pourtant aidé à se propulser au sommet. L'entreprise ne procède à aucun inventaire et se retrouve donc à court de consoles à proposer au public au dernier trimestre de l'année 95. C'est 300 000 machines qui auraient pu trouver preneur avant les fêtes. Ce phénomène s'explique aussi par la politique de Sega de concentrer ses efforts sur la Saturn fraîchement sortie, avec l'idée de tenir tête à Sony et à se préparer à l'arrivée de la nouvelle console à venir de Nintendo, l'ennemi juré. Riche en anecdotes, l'histoire de la Mega Drive prend fin, sur le moment, en 97. La console aura donc vécu pendant près de 10 ans. La chute du géant Sega. Je peux pas évoquer la Mega Drive sans revenir sur la fin de Sega en tant que constructeur. Malgré le succès retentissant de la Mega Drive, Sega a fini par jeter l'éponge sur le côté hardware du jeu vidéo. La firme n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu face au raz-de-marée que représente l'arrivée de la PlayStation. Si bien qu'en 97, une fusion avec Bandai est envisagée. Ce projet ne verra jamais le jour et le président de Bandai démissionnera après avoir annulé la fusion qui aurait dû voir lieu quelques mois plus tard. C'est une époque de vaches maigres qui commence pour Sega. Un an plus tard,
Sega sort la Dreamcast, la première console 128 bits sur le marché. L'objectif est clair, il s'agit de barrer la route à Sony qui pourrait une fois de plus rafler les parts de marché avec une potentielle PS2. Sega veut être le premier installé sur les segments 128 bits afin de profiter de sa longueur d'avance et pour se créer une place de choix dans les foyers et le cœur des joueurs. Car l'arrivée de Sony dans le duel Sega-Nintendo a forcément changé la donne. Sega avait la supériorité technique sur Nintendo et le public cible n'était pas le même. Il y avait donc en théorie de la place pour que cohabitent les deux constructeurs. Mais Sony vient clairement marcher sur les plates-bandes de Sega et c'est un adversaire qui s'avère, on le sait aujourd'hui, redoutable. Cette fin de millénaire n'est pas belle pour Sega. La Dreamcast a connu une durée de vie courte, 3 ans seulement. La console n'a pas rencontré le succès escompté sur son archipel d'origine, mais a connu un lancement réussi en Europe et aux USA. Hélas, la hype autour de la console fond comme neige au soleil au fur et à mesure que Sony tease sa PlayStation 2. Pour pallier à ces baisses de ventes, Sega décide de baisser le prix de sa machine. Mais ses efforts ne suffisent pas et l'entreprise fait face à des pertes financières énormes. Et c'est une date à marquer au fer rouge. En 2001, pendant la période des cerisiers en fleurs au Japon, Sega fait l'annonce qu'il se retire du marché des consoles et décide de se consacrer uniquement à l'édition et au développement des jeux. Cette annonce sonne le glas d'une période que beaucoup qualifient de dorée, l'avènement du jeu vidéo domestique. Sega a bien entendu participé à cette grande épopée et le paysage de l'industrie vidéoludique serait sans doute bien différent aujourd'hui si Sega n'avait pas existé en tant que constructeur. L'entreprise se retire cependant sur une note positive qui, hélas, ne permet pas la rentabilité indispensable à toute entreprise. La Dreamcast est considérée comme une machine révolutionnaire en avance sur son temps. C'est en partie dû à la présence d'un modem qui permettait donc de connecter la console à Internet, ouvrant grand la porte du jeu en ligne. Sega aujourd'hui. Aujourd'hui, Sega se porte bien. D'ailleurs, en 2019, sort la Mega Drive Mini. Et d'ailleurs, de nos jours, la Mega Drive Mini 2 arrive. Faut dire que le rétro gaming connaît un regain d'intérêt ces dernières années et un certain vent de nostalgie souffle sur le secteur du gaming. Les joueurs de la première heure commencent à entonner un refrain connu dans l'industrie vidéoludique, c'était mieux avant. Le joueur de l'ère 2020 aurait-il envie d'un back to basics? Même si ces nouvelles consoles permettent une expérience de jeu plus accessible que le jeu sur les consoles d'époque, rien ne viendra remplacer l'émerveillement connu pendant la période dorée de la fin des années 80 et plus généralement des années 90. L'émulation a le mérite d'exister, mais elle ne remplace pas l'expérience sur console d'origine. En 2020, lors d'une année difficile pour tout le monde, Sega a annoncé la sortie de la Game Gear Micro pour célébrer les 60 ans de l'entreprise. Quand on connaît l'échec commercial qu'a connu la console portable de Sega, c'est un sacré pied de nez que de ressortir une version mini pour fêter son anniversaire. Les machines iconiques de Sega, dont bien évidemment la Mega Drive fait figure de proue, sont toutes des Madeleine de Proust. Pas de DLC, pas d'installation compliquée. C'est simple, on branche et on plonge immédiatement dans le plaisir du jeu. L'énorme qualité du jeu de chez Sega, Sonic, a façonné en collaboration avec son acolyte Mario, le genre du jeu de plateforme d'aujourd'hui et de demain. Pas du tout compliqué, un onboarding inné avec seulement quelques touches et du fun immédiat sans longue cinématique. Un plaisir sans fioritures et features, un gameplay diablement efficace et des heures de fun. Conclusion. Sans surprise, la console de chez Sega qui est la plus vendue à l'heure actuelle reste la Mega Drive avec 39,7 millions d'unités vendues à travers le monde. Elle a fait rêver toute une génération de joueurs avec une ludothèque incroyablement fournie et de qualité. L'entreprise a su garder son statut de fabricant et éditeur numéro 1 de bornes d'arcade. Sega produit aussi des flippers et des machines que l'on peut trouver dans des fêtes foraines, mais aussi des jukebox. Tristement, en janvier 2022, toutes les salles d'arcade possédées par Sega sur le territoire nippon ferment. Elles n'ont pas résisté à la pandémie mondiale. Mais l'année 2022 amène aussi une bonne nouvelle. Le retour de Sonic, notre hérisson survolté favori, dans le second opus cinématographique, le bien nommé Sonic 2, qui fait suite à Sonic 1, sorti en salle en 2020. Et vous,
Est-ce que vous avez des anecdotes ou des souvenirs émus que la Mega Drive vous a apporté? C'est ainsi que se conclut l'histoire de la Mega Drive qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Même s'il faut vivre avec son temps et que le jeu vidéo aujourd'hui offre aussi de très bonnes choses, c'est toujours sympa de rendre hommage à une machine, un jeu ou un constructeur qui a apporté sa pierre à l'édifice. Prenez soin de vous. Salut! Attends, c'est quoi le début déjà? Les machines iconiques de Sega. Donc les machines iconiques de Sega, dont bien évidemment la Mega Drive fait figure de proue, sont toutes des madeleines de Proust. Pas de date limite de consommation. Non, DLC, ça veut pas dire ça. Pas dire ça. Ah ça va finir. Ça c'est sûr et certain jamais. Eh, il a cru que DLC ça voulait dire date limite. On voit le gamer. Je sais pas, ça veut dire download, je sais pas quoi, tu vois, enfin, je sais même pas ce que ça veut dire, mais ça veut pas dire date limite de consommation. Voilà, j'ai fait ma part. Comme vous le savez, c'est le digne succès. Je dis ça, c'est chaud, moi j'y arrive pas, hein, je veux dire. Ouais, je prends le temps. Ouais, prends le temps, en fait. Comme vous le savez, c'est le digne succès. Ça va se faire en bêtisier, ça. Comme vous le savez, c'est le digne successeur de la Master System. Le trou. Et après, c'est les dates. En fait, il dit, elle débarque Japon. 88 Japon. Tu sais, tu arrives le voir, tu peux dire au Japon. Hein. Ouais. Japon, tu vois, frère. Et c'est une date à noter au fer rouge. En 2001, pendant la période des cerisiers en fleurs au Japon, Sega prend la décision de se retirer des marchés des consoles.